Les amis, nouveau matin et c'est retour des œufs. Et avec ça, on va prendre des toasts, bien sûr. Et puis la Schwagandahl ginseng. Et là, on va prendre avec ça la glucosamine. C'est que mon poignet me fait un peu mal ce matin. Vitamines et minéraux. Avec sur mes autres trucs. Je zappe, je suis un peu peut-être dans le, comment on dit. Je vous montrerai les toasts dans un instant quand j'aurai fini les œufs et ce qui si ça revient à la surface. Allez, à toutes. Mais voilà, le premier round de toast. Confiture de framboise, bonne maman. Bon appétit. Allez, c'est bon petit déjeuner. Ouais, j'ai oublié que l'ombiotique, probiotique, donc vitamines et minéraux et la glucosamine. Voilà, on va prendre ça. Je suis en train de préparer à s'entraîner. A tout à l'heure. C'est parti, séance de jambes aujourd'hui. Et on regarde bien sûr la Pump Express, la création que j'ai dépensée hier. Dextrectus à la pomme, vitamine, le scoop. Et HMB, une scoop. Voilà, c'est parti. On va essayer de faire une bonne séance de jambes. Il fait chaud aujourd'hui. Okay. J'espère que la clim. Allez, à tous.
one in the bucket, a housing machine. I'm going to make another housing machine. Repas après l'entraînement, donc on a les nouilles japonaises et on a les spinach steak, donc 240 g de bœuf avec un peu de fromage, d'oignons, dans du pain, donc un peu plus de carbs. C'est Tara qui nous a préparé ça, donc on va manger tout ça et on se retrouve plus tard. Voilà, sur la plage, tranquillement en train de manger le repas suivant. On a 500 g de patates douces, pardon, purée, avec 240 g de dinde. Et on va manger ça tranquille et attendre le coucher de soleil. À toutes. Voilà, j'avais dit que j'allais parler d'un peu des charges légères. Alors il y a deux raisons. Effectivement, dans la salle où je m'entraîne, il n'y a pas beaucoup de poids. Donc forcément, on va travailler de manière plus légère. Mais aussi le fait que je me focalise surtout sur mes points faibles. Et qui dit point faible, donc déploiement faible, on a aussi un muscle qui est physiquement faible, plus faible. Donc si on travaille trop lourd, si vous travaillez par exemple le dos et que on veut isoler une certaine partie du dos, genre les rhomboïdes, et puis que de manière normale, en utilisant une charge normale, on n'arrive pas à engager ce muscle-là parce que c'est déjà trop lourd pour ce muscle. On est obligé de réduire la charge pour pouvoir engager correctement ce muscle-là qui est vraiment faible. Donc, c'est ce que je cherche à faire actuellement. Par exemple, sur les haltères, quand je faisais les curls marteau, je faisais avec des haltères de 10 kg. Bien sûr, je peux faire avec beaucoup plus lourd, je peux faire avec 25, 30, même pour 35, 40 kg. Mais je n'ai pas travaillé le brachial comme je veux. Je vais pouvoir monter. Mais je ne vais pas pouvoir faire ce petit mouvement à la fin qui va vraiment engager la contraction maximale du brachial et qui va finalement faire toute la différence au niveau du développement. Donc je vais utiliser plus le reste du biceps. Et c'est pareil pour le dos. Après pour les pecs, forcément, tout ce qui est épaule, forcément mon épaule me dérangeait pendant un bon moment. Donc je n'ai pas fait de mouvement de presse. Donc la force a diminué. Donc ça va revenir. Et du coup, j'y vais aussi doucement. Ça ne sert à rien de brûler les étapes. C'est pas forcément des muscles qui sont. C'est pas des muscles qui sont des priorités pour moi à travailler. Mais voilà, un peu la logique, c'est que pour pouvoir vraiment travailler un point faible, il faut réduire la charge pour apprendre à le contracter, l'engager dans les mouvements. Et après, il va devenir plus fort et forcément, on pourra l'engager avec des charges plus lourdes. Mais pour pouvoir commencer à l'engager, il faut réduire la charge. Donc c'est un peu voilà l'explication que je voulais vous donner déjà il y a deux jours. Mais que j'ai pas pris le temps de vous expliquer. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair. J'attends ma pizza. Donc je vous retrouve dès qu'elle sort du four. Ah les amis, c'est l'heure de la pizza. Ok, qui c'est qui est là? Je suis à côté. Smells good, Chad. Chubby. Look.
J'ai ma pizza. Allez, à tout à l'heure. Ouais, les amis, dernier repas de la journée, le fameux crème de riz avec la whey-zola, le beurre de cacahuète, chez Olympe et la confiture. Zema avant de se coucher. Et bye bye, à demain. Ouais, je suis claqué. Bonne séance de jambes. Bonne grosse séance de jambes. Je suis bien fatigué de ça. Et le reste, le soleil et la plage, ça m'a rincé. Donc voilà, je vous retrouve demain. Séance de pec. Allez, ciao, ciao, bonsoir. Boum.